Les gens, c'est Amtelou, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, car qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Aujourd'hui nous allons tout simplement aller voir McFly, enfin plutôt McFly qui va venir me voir pour me donner tout simplement une sorte de petit défi ou une petite mission à faire, parce qu'aujourd'hui je vais devoir faire quelque chose qui m'a demandé. Mais juste avant du coup qu'on aille voir McFly et qui me donne qui me dise qu'est-ce que je vais devoir faire aujourd'hui, n'hésitez pas désormais à tous vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification, ça me ferait vraiment super plaisir. Et puis en plus comme ça vous pouvez contribuer un petit peu au petit like et au petit abonnement, au petit partage, etc. Donc dès maintenant, toi qui regardes la vidéo derrière ton écran, abonne-toi bien à la chaîne et mets surtout un gros pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. Aujourd'hui en plus j'ai un petit défi pour vous, c'est que tous ceux qui regardent la vidéo actuellement mettent un pouce bleu et surtout s'abonnent à la chaîne avec votre coude. Donc voilà, donc vous avez bien entendu, avec votre coude vous devez cliquer sur le bouton s'abonner et le bouton liker. Et tous ceux qui vont y arriver sous cette vidéo, et bah je vous ferai une grosse dédicace dans ma prochaine vidéo. Voilà, donc du coup je compte sur vous pour que vous le fassiez tous et que vous mettez les commentaires quand vous avez réussi. Bon voilà, donc maintenant on devrait attendre notre cher collègue McFly qui devrait pas tarder à arriver. Donc on va regarder par la fenêtre s'il est pas là déjà. Alors McFly est déjà d'ici, je le vois pas. Là je le vois pas beaucoup. Oh bah tiens regardez, il est en train de courir là, il est en train de courir, je l'ai vu. Je sais pas si vous l'avez vu vous aussi. A mon avis il va toquer à la porte. Venir. Ouais McFly, salut. Ça va ou quoi? Ça va. Ouais bah écoute, ça va super. Tu fais quoi de beau ici? Bah rien, je me baladais, je devais te dire un truc très important. Ah ouais, attends, c'est si important que ça McFly, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Non, en vrai c'est pas très important, mais il faut quand même que tu t'assoies, on sait jamais. Ah ouais, ok, bah vas-y, on va se poser dans le salon, vas-y. Explique-moi du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui est si important que ça? Alors attends, faut juste que je pose ça là. Oula, pourquoi alors, tu poses ça ici? Ouais, d'accord. Parce que c'est important. Il y a ça, le clown, ouais, ça le clown. Ouais, attends, donc ça le clown, on est d'accord que c'est le clown, bah ça qu'on connaît là. Ouais, le méchant. Ouais, mais et... Diatwinner, qui vient dans ma base. Donc, ça le clown, t'es en train de me dire qu'il m'a dit qu'il fallait que je vienne dans ta base? Dans sa base. Ah, donc du coup, je vais devoir aller dans la base à ça le clown, c'est ça? Oui, oui, il veut te voir. Oula, et sous quel prétexte je vais devoir aller chez lui? Genre, il a un truc à me faire, j'ai une mission à faire, j'ai quoi? Je sais pas, il était très bizarre, il me disait, ouais, McFly, faut que tu dises à Dwinner qu'il vienne dans ma base, sinon ça va barder. Il m'a dit ça comme ça, okay, moi j'étais paniqué, je suis allé vite. Ouais, bah tu m'étonnes que t'étais paniqué, ok, ok. Bon, je me rappelle plus par contre vers où exactement était la base à Saloukoum. Tu peux me rappeler vite fait s'il fallait vers là-bas ou vers là-bas? J'ai complètement zappé. Il me semble que c'est par là-bas, il me semble. C'est vers là-bas, ok. Bon bah je vais aller vers là-bas, je vais aller chercher la base à Saloukoum. Tiens. Et donc du ça, coup, ah, ça c'est très important ça. Il faut que je garde ça avec moi tout le temps. C'est un talcasso. Ouais, ouais. Ah ouais d'accord, c'est un talcasso, d'accord, ok ça marche. Bon, tu le gardes. Ok, ok, bon vas-y, bah je le garde avec moi le petit talcasso. Et puis bah moi je vais directement là en direction de la maison à ça le clown, d'accord? Pas de soucis. Ouais. Allez, à toutes, bah. Fais attention à toi. T'inquiète pas, je fais attention à moi. Ok. Bon du coup les amis, c'est parti, on va directement aller en direction de chez ça le clown. Donc le clown qui a apparemment quelque chose à me dire. Donc je sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais apparemment il aurait une sorte de mission ou un truc assez similaire à ça. Donc on va directement partir chez notre collègue ça le clown. D'ailleurs ça fait très longtemps que je l'avais pas vu sur Minecraft. Et surtout je l'avais pas vu chez lui. Mais apparemment donc du coup si je me rappelle bien, sa maison c'était celle qui était là-bas. Donc c'est parti, on va s'y rendre et on se retrouve dès qu'on est devant, à tout de suite. Ok, donc du coup comme vous pouvez le voir juste devant moi, nous avons le manoir et il s'agit bien évidemment du manoir à ça pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu, donc le manoir à ça, le clown tueur. Donc on va directement se rendre chez lui pour voir un petit peu déjà pour commencer qu'est-ce qu'il est en train de faire, donc quelle activité est-ce qu'il effectue. Et donc du coup on va toquer chez lui, donc c'est parti. Ça, et oh, je suis à la porte. Allô? C'est Twinner, on m'avait demandé de venir. Ah c'est bon, il est là. Ah oh, Twinner. Ça va ou quoi, ça le clown, comment tu vas? Ça va très bien et toi Twinner? Ouais bah moi ça va super, hein. Enfin ça va plutôt bien, tu fais quoi de beau ici? Bah rien, j'étais en train un peu de m'ennuyer, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Ah tu m'as demandé de venir parce que tu t'ennuyais, c'est ça? Oui. Ok, donc du coup tu veux que je vienne faire quoi aujourd'hui? Bah dis-moi, en quoi je peux t'aider aujourd'hui? On va s'installer. Ah d'accord, on va s'installer carrément, je suis jamais venu chez toi et tu me présentes ta maison comme ça. Ok, ok, ok. Bon, non, mais, voilà, là c'est vrai que là je suis bien installé. Bon du coup ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui? Dis-moi, pourquoi tu m'as demandé de venir aussi précipitamment comme ça? Bah alors un peu, je me baladais un peu sur l'internet et j'ai vu y avait des vidéos Yes Man Challenge. Ah ouais, le Yes Man Challenge, tu connais? Ouais, et qu'est-ce que t'as vu sur internet par rapport au Yes Man Challenge? Eh ben que c'était hyper sympa et je voulais le faire avec toi. Ah donc tu veux qu'on fasse un Yes Man Challenge ensemble? Donc c'est à dire qu'en fait il y aura un de nous deux qui va devoir dire oui à tout pendant combien de temps? 24 heures? Ouais, 24 heures. Ah ouais. Ah ouais, mais attends, par contre moi je te dis un truc, c'est quand on dit oui à tout, c'est vraiment à tout, hein. À part bien évidemment les trucs qui nous mettraient en danger. À part bien sûr les trucs qui mettraient en danger. Non non, tout. Non bah non, pas tout. À part les trucs qui nous mettraient en danger comme je t'ai dit.
Bon, ok. Hein. Voilà, c'est bon. Nickel. Bon, alors, c'est parti. Donc, du coup, sale clown, est-ce que tu veux que... Bah, comment déjà, on va déterminer c'est qui va participer au Westman Challenge. Eh ben, on va faire un pierre-feuille-ciseau. Ah, un pierre-feuille-ciseau. Ah, mais en plus, je suis trop fort à ça. Bah, vas-y, bah, attends, je vais prendre tout ce qu'il faut pour faire un pierre-feuille-ciseau. Alors, donc, du coup, les amis, il y a sale clown qui veut faire un pierre-feuille-ciseau. Donc, du coup, je vais prendre directement une pierre. Donc, voilà, une pierre qui est ici. On va prendre aussi une feuille, donc un papier pour la feuille. Et on va prendre une cisaille pour faire le ciseau. Donc du coup, tac, hop là, ciseau. Voilà, nickel. Dès que tu veux, on commence, ok? Vas-y. Vas-y, 1, 2, 3, pierre, feuille. Ah, merde, ah, faut le jeter, attends, on va refaire, désolé. Ah, vas-y. 1, enfin, pierre, 1, non, vas-y, 1, 2, attends, on fait pierre, feuille, ciseau. Ok, vas-y. Vas-y, pierre, feuille, ciseau. Ok, j'ai jeté le ciseau, désolé. Ok, bon bah du coup ça fait un pour moi pour l'instant, donc du coup voilà, un pour moi. Ouais, on va en 3, hein. Ok, on va en 3 points, c'est parti, vas-y. Ok, vas-y. Vas-y, t'es prêt? Ouais. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseau. Putain, mais mec, tu t'auras pas, tu peux avoir moi, mais bon, je voulais quand même jeter le papier. Non, t'as touché. Non, non, ah, tu veux qu'on fasse le point? Ouais, on refait. Ok, on refait, vas-y. Vas-y. Tu me dis. Pierre, feuille, ciseaux. Papier, ciseaux. Ah, là, tu peux pas dire que j'ai triché. Je l'ai posé avant toi et même tu t'es quand même. Bah, t'as quand même perdu. Ok. Et donc, du coup, dernier point. Vu que là, il y a déjà 2-0. Donc, ça va en 3. Hein. Ouais, c'est ça. Ok, ça va en 3. Pour moi, du coup, c'est parti. Vas-y. Bah, essaye de faire la remontada. Parce que moi, je vais pas te laisser la faire. Vas-y, dès que t'es prêt. Pierre, feuille, ciseaux. Ah, ouais, j'ai gagné. Non. 3-0 et voilà dans ton cul, sale clown. Bah du coup, tu sais qu'est-ce qui t'attend, sale clown, ou pas du tout là? Non. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui t'attend? Tu sais pas ce qui t'attend. Mais mec, mais tu devrais savoir. Là, bah du coup maintenant, qu'est-ce qui t'attend? C'est simplement qu'en fait, on va faire un Yes Man Challenge. Donc du coup, toi qui me regarde, tu vas devoir dire oui à tout pendant 24 heures hein, et personne d'autre que toi. Non. Et si c'est dans... pas juste. Non, bah si c'est très juste, c'est juste que bah fallait réfléchir mon coco hein. Bon, et bah du coup allez, on commence dès maintenant le Yes Man Challenge, vas-y, suis-moi. Alors, bah c'est vrai les amis, moi je sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait faire un Yes Man Challenge, mais donc du coup, on va commencer maintenant, donc du coup, comme vous avez pu voir, hein, ça va devoir dire oui à tout pendant 24 heures. Donc on va d'abord lui demander de faire des trucs normales, et puis au fur et à mesure de la vidéo qui avance, on va faire des trucs un petit peu plus hardcore, donc c'est pour ça, regardez bien tous la vidéo jusqu'à la fin, parce que ça va être drôle. On va commencer par un truc simple, ça... Tu sais que là j'ai mon ventre qui gargouille et j'ai vraiment très faim. Est-ce que ça te dirait pas que tu me fasses un petit truc à manger là? J'ai trop faim. Ouais. Ouais bah oui, en tout cas tu peux pas dire non. Allez vas-y, allez charbonne, fais un truc à manger, j'ai trop faim. Vas-y bon les amis, y'a Salukun qui est parti me faire à manger là, c'est bon nickel. Bon, du coup moi je vais me poser ici là en attendant sa nourriture. Et en attendant je vais réfléchir à des nouveaux petits défis que Salukun pourrait me faire faire. Enfin plutôt que Salukun pourrait faire. Alors réfléchissons ladder, vous avez vu que voilà y'a ça. Ok, bon, deuxième défi, je pense que ce qu'on va faire, c'est que je sais pas encore trop ce qu'on pourrait faire. Ah, mais oui, je sais ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est que... Ah bah non, d'accord, il y a déjà une piscine dehors. Ouais. Yeah. C'est bon, t'as fait à manger. Ok, j'arrive à table, c'est bon. Hop là. Ouais, du coup, c'est quoi le repas? Alors, poulet rôti, du poulet rôti, de bonnes frites et un pain maison. Ça, c'est un vrai KFC ici, là, j'ai goûté ça. Ouais. Vraiment super bon en plus hein, vas-y je me régale. Merci beaucoup. Bon bah du coup voilà, ça c'est déjà un premier truc du Yes Man Challenge. Vas-y viens, on va faire un deuxième truc. Juste j'ai une question. Est-ce que toi tu sais nager toi? Oui. Ouais tu sais nager. Ok bah tu sais quoi, moi j'ai envie de vérifier si tu sais vraiment nager. Parce que les gars je crois qu'en plus ça il sait pas trop nager. Sauf que comme on est en Yes Man Challenge, il ne peut pas dire non. Donc rentre pas maintenant, juste je prends une potion parce que je vois pas beaucoup. Tac, vas-y bah dès que tu veux rentrer n'hésite pas et puis tu sais quoi pire je vais te pousser parce qu'on dirait qu'il a un peu peur. T'as peur de l'eau ou quoi? Non t'inquiète, je vais tout seul. Bah vas-y tout seul là, je te regarde. Vas-y. Hop. Allez tu sautes. Oui. Attends les gars, il veut pas. Vas-y. Non j'ai peur. Oh, t'es sûr que t'as peur? Vas-y prêt les amis, je vais le pousser à 3. 1, 2, 3. Oula. Ah mais. Oula. Oula les gars, je crois que c'est vraiment pas nager en fait les gars. Oula vite, on va le sauver. Oh ça, tiens. Reviens. Hop là. Oh. Les gars, il y a ça le coup qui sait vraiment pas nager. Oula, ça va ou quoi? T'es sérieux? Mais non mais je vais. Bah mais en fait tu m'as menti, tu savais pas nager en fait. Mais oui, mais comme c'est Yasmin, j'ai dû dire oui. Ah oui, c'est vrai, bah désolé. Ok, bon vas-y, on va aller faire d'autres trucs, parce que là, T'as froid, vas-y, bah viens, on va rentrer à la maison, je vais te ramener une serviette. Ok, bon les amis, il y a Salukun qui a un petit peu froid. Tiens, prends ta petite serviette, voilà. Sèche-toi. Merci.
Ok, c'est bon, il y a ça le clown qui sèche. Bon, voilà, donc du coup, on a fait déjà le deuxième truc qui était déjà un peu plus marrant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va y trouver un troisième, une troisième mission. Ok, alors, pour une troisième mission, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ok, bah, j'ai une mission. Oh, j'ai une mission cool pour toi. Est-ce que t'as déjà, est-ce que t'as déjà tué des vaches? Pas que des vaches, mais... Pas que des vaches. Ok, bah dans ce cas-là, vu que j'ai l'impression que t'as l'air de bien expérimenter, ce qu'on va faire, c'est que tu vas aller, tu vois, toutes les vaches qu'il y a là-bas, là, il y en a déjà une, il y en a 5-6, tu vas toutes les tuer, et après tu vas récupérer la nourriture qu'ils nous donnent, comme ça, on va pouvoir se faire un giga rose beef. Vas-y, vas-y, allez. Allez, tue les vaches. Ah ouais, bah là, les amis, par contre, ça le dérange pas de tuer des vaches, hein. Les amis, il a peur de il a peur d'aller dans l'eau, par contre, tuer des vaches, ça c'est son point fort, on aurait dit, les gars. Et tu récupères bien la bouffe, hein, qui drop. Ouais. Comme ça, on va se faire un giga steak haché. Un giga burger. Oh, pas le bébé. Ah si, le bébé aussi. Ah, tant mieux les gars, mais ça donne même pas de nourriture ça. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas les amis, vous avez vu que ça, le clown, il a l'air d'être vraiment content dans ce qu'il fait. C'est bon, t'es content? Voilà, ouais. T'as tué toutes les vaches. Alors, t'as réussi à récupérer combien de morceaux de bœuf? 19 bœufs. 19. Eh bah, tu vas me les donner dans ce cas-là. Hein. T'as mal à le dire, non, okay. Désolé. Voilà, merci beaucoup. Bon, comme ça, on va pouvoir se faire un giga rose beef, les amis. Donc, tac, on va rentrer à la maison maintenant. Il est peut-être temps, d'aller rentrer à la maison. Donc, du coup, voilà. Allez, vas-y, on va rentrer à la maison. Alors, bon, maintenant qu'on a fait trois petites missions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller en chercher une quatrième. Et puis, pourquoi pas faire une quatrième en guise de dernière. Alors, je pense que ça va pas trop plaire à ça. Mais écoutez, j'ai peut-être une petite idée qui me vient en tête. Ça, le clown. Est-ce que, par hasard, ça te dirait qu'on mette le feu à ta maison? Mais quand je dis le feu, c'est pas le feu genre en mode de l'ambiance, hein. Qu'on mette le feu, le vrai feu. Ça. Regarde, genre ça comme ça, ça te dirait ou quoi? Ouais. Ouais, ça te dirait. Allez, bah c'est parti, les gars. Allez, on met le feu à la maison, on met le feu à la baraque, les gars. Ok, attends. Je vais juste voir, les amis, s'il y a l'explosion de... Oula. Les gars, je sais pas si... Oula! Je brûle! Attends, mais je me demandais, je me pose une question. Est-ce que tu crois qu'il y a la propagation du feu là? Je crois qu'elle y est pas, hein. Non. Ouais, bon, non, tant mieux pour toi si elle y est pas. t'amuser à éteindre le feu, ok? Ouais, d'accord. Ok, bon. Les gars, comme vous avez pu le voir, je crois qu'on est en train de foutre le feu à. Quoique. Quoique, il y a peut-être la propagation du feu en fait, hein. Ah ouais, j'ai peut-être rien dit, hein. Bon, oh mais si, il y a la propagation du feu, ça. Il y a la propagation du feu, les gars, regardez-moi ça, il y a la maison à ça qui est totalement en train de cramer. Ok, bon, les amis, je pense que on va sûrement aller faire un petit tour dehors pour voir s'il y a la propagation du feu. Bon bah, si tu veux maintenant, est-ce que tu veux rééteindre le feu ou pas du tout? Ou t'aimes bien comme ça? Ouais, non, tant pis, un coup d'assurance, hein. Ah, et tu iras t'occuper avec l'assurance, ok, ça marche. Bon, allez, vas-y, viens, on se casse de ta maison, là, elle est en train de cramer. Bon, et bien du coup, comme vous avez pu le voir, c'était vraiment marrant parce que du coup, cette vidéo, elle a quand même un petit peu mal tourné à la fin. Non, ouais, je brûle pas partout non plus. Voilà, okay. Bon, vous avez pu le voir à la fin, il y a la maison à ça qui a totalement pris feu, regardez-moi ça. Wow, regarde ça, le clown. Oui. Regarde ta maison à l'extérieur, mais elle est totalement cramée, regarde. Bon, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, c'est la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas dès maintenant à vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification, ça me ferait vraiment super plaisir. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne fin de soirée, et à la prochaine. Allez, ciao, ciao.